Mtongoza katika tarafa yetu ya Moba. Jina lake anaitwa Mikamfwa Kiongo Victor. Akuja peke yake. Atumikaki yeye peke. Eko na wachini yake. Na yeye tutamsimamisha ni baba Kasongo Edmond. Karibu papa.
Merci épée. Qui ont boudé? Voilà. Bien habillé, hein? Mushisaulike Moussada Kidogo, yani offrande. Mushisao. Épée Lubacha, bien représenté. Wow. Épée Lubacha, merci beaucoup, hein? Merci bien, Pelou Bacha. Salsa, twente. Mais ça, à part toi, c'est lui qu'on a Magdoléo, parce que c'est une formation. Et Pelou Bacha, merci également d'avoir marqué votre présence. Yeah.
kabisa tunamshukuru kina mama wa soko ya Matengo kwa pesa kumake presence yenu. Asante kabisa. Mnapendeza sana. Asante. Wow. Merci beaucoup. Thank you.
chercher la vie d'un chanteur, puis il est trouvé dans ce domaine. Mais pour nous, c'est un vrai plaisir. Hein. Merci bien. Voilà, Léon. Let's go.
Les orphelins sont légion dans notre pays. Alors personne ne se soucie d'eux. Personne ne les prend en charge. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Des femmes qui ont servi la nation durant toute leur vie se trouvent aujourd'hui pensionnées et non payées. Auguste Assemblée, où sommes-nous? Dans quel monde vivons-nous? Nous, femmes de Moba, avons choisi un autre thème purement local, stipulé comme suit. Changement de mentalité de la femme et les filles de Moba. Quand des livresses, du mauvais habillement et la convoitise. Nous y avons réfléchi deux jours durant. Nous continuons à marteler sur ce fléau, car nous sommes conscientes que ce changement, une fois acquis, pourra aider la femme de Moba à mener une vie économiquement indépendante. Chère maman congolaise, chère maman de Moba, n'est-ce pas, nous qui dormons à 23 heures pour nous réveiller à 2 heures du matin et reprendre le travail pour la survie de nos familles, de nos églises, de notre territoire. Ne nous négligeons pas, l'avenir de nos enfants est dans nos mains. Le progrès de nos églises est dans nos mains. L'économie même du territoire est dans nos mains. Comment pourrons-nous nous faire respecter si nous nous habillons mal? Chère maman de Moba, ne dit-on pas que telle mère, telle fille. Prenons nos responsabilités en main dès aujourd'hui, car l'avenir de notre pays, de notre territoire en dépend. Que ce thème nous interpelle. Soyons fiers d'être femmes. Prenons nos responsabilités en main. Ne soyons pas complexés devant les hommes, car à compétence égale, chance égale. Pour celles qui sont mariées, des respects envers vos maris. Vous revalorisez, ne l'oubliez pas. Sous d'autres yeux, les gouvernements ont trop de crédits aux femmes commerçantes, aux femmes cultivatrices, aux femmes maraîchères. Et c'est dans le but de les aider à être autonomes. Pourquoi cela est difficile et réalisable dans notre pays? Chers dirigeants, songez à nos femmes. Que vive la femme congolaise, que vive la femme de Moba, que vive la Journée internationale de la femme. Je vous remercie. Voici le thème de réflexion proposé pour le mois de mars à cette année. Thème international. Pour un monde digital, inclusif, innovation et technologique pour l'égalité de sexe. Thème national. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Thème provincial, promouvoir l'égalité des sexes. Enfin, d'autonomiser les femmes et filles à leur numération en province du Tanganyika. Thème local, s'il vous plaît. Changement de mentalité au comportement des femmes et des filles de Moba. Lorsque nous analysons ces trois thèmes, nous nous rendons compte que les personnes qui dirigent le monde, et plus précisément notre pays, la RDC, se moquent de nous les femmes. La paix et l'autonomisation de la femme dans notre pays. Quelle ironie! Et ceci est devenu un refrain de chaque année, alors que rien n'a été entrepris dans le but
d'assurer l'autonomisation de la femme et une vie paisible pour la femme congolaise en général et en particulier celle de l'Est de la RDC. Monsieur l'administrateur du territoire de Moba, Monsieur les administrateurs du territoire assistant, Monsieur le chef du bureau de territoire de Moba, Monsieur le chef de poste ANR Moba, comme nous le savons tous, chaque année, le 8 jour du mois de mars, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Cette année, nous célébrons cette journée sous le thème changement de mentalité aux compétences des femmes et de la jeune fille. Plusieurs acteurs vont pouvoir débattre sur ce thème au cours de ce mois et chacun selon le programme de son milieu. Mais aujourd'hui, dans notre territoire, nous martelons plus sur l'habillement des jeunes filles et aussi la prise de drogue et alcool. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont perdu leur valeur par leur façon de s'habiller. Elles veulent paraître nues en portant de mini-jupes qui laissent voir leurs cuisses, culottes et pantalons serrés mettant à l'œil leur morphologie et aussi les blouses laissant voir leur dos et poitrine. Chères filles, ne pensez pas qu'en vous habillant très mal, vous vous attirez de marché. L'argent que vous cherchez par la force dans la poche des hommes vous rend en bête. Jeunes filles, cherchez à recourir à l'authenticité où la jeune fille s'habillait d'une manière que personne ne se permettait d'en faire sur elle les commentaires de dégradation. Tumefuata wenyewe wamesema ambao vitu havijulikani haviendeni tena. Kati ya hivyo kuna mavazi ambayo inavaliwa mbaya. Kuna mila mbaya ipo mila yetu ambayo sasa inakuwa ndio kawaida ya kuishi. Na kwa hiyo tunasema mama ni mwalimu wa kwanza. Ni mwalimu wa kwanza wa taifa. Ikiwa mama mwalimu wa kwanza wa taifa analeta somo mbaya sawa na hiyo, sisi watoto tutakuwa namna gani? Ndio maana tunakumbusha tena kama vile yeye ni mama ndiye aliyetufundisha kusema, alikuwa wa kwanza kutufundisha kutembea. Unapomuuliza mama mwalimu na mtoto mgongo na muuliza bebe habari, anayejibu ni mama kwa nafasi yake, atasema anasema mzuri. Kumbe yeye ndio anajua maisha ambayo tunayoishi. Na mama huyu kwa siku yake hii ya leo ambayo inasherehekewa ulimwenguni kote, tunamuomba arudilie mumila ya zamani ambayo mama alikuwa akiheshimika sana. Tanzania hiyo ilikuwa ni memo yao. Sisi wa baba tulisema kama tutasindikiza sababu wao ni wazazi wetu, wao ni mama zetu, wao ni dada zetu, wao ni walimu wetu. Tutakuwa tayari kwa kuwakumbusha ambayo wametusomea hapa, sababu tumeyafuata kwa makini na tunabaki nayo katika vichwa vyetu na katika akili zetu. Kumbe kwa kuwa tusichukue muda mrefu sana, neno langu la mwisho ni kuwatolea mbele siku kuu njema wa mama wote wa Moba. Neno langu la pili ni kuwashukuru ndugu zetu wa kanisa la Kimba.